vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo Shein. Ça faisait quand même quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo Shein. La moitié de cette vidéo sera en collaboration avec le site Shein qui m'a envoyé quelques articles gratuitement. Mais l'autre moitié sera de ma petite CB puisque j'ai fait moi-même une commande pour préparer notre voyage évidemment au Canada. Si vous suivez mes vidéos et que vous êtes abonné à cette chaîne, vous savez que d'ici un mois et demi, je serai dans l'avion, direction le Canada pour y vivre. Et du coup j'ai acheté quelques petites choses pour organiser nos voyages, parce qu'on va quand même souvent faire les allers-retours France-Canada, enfin souvent, régulièrement faire les allers-retours, que nous allons quand même beaucoup plus prendre l'avion que jusque là. Donc j'ai acheté des petites choses pour le Canada. D'ailleurs, sachez aussi que je prépare une fête de départ avec mes amis, ma famille, etc. ici, et que j'avais envie qu'on soit un petit peu accordés. Donc si vous voyez des choses un peu en commun, ça sera pour notre fameuse fête de départ. Bref, je commence tout de suite par ce que j'ai choisi sur le site Shein qui m'a été envoyé gratuitement par la marque. Justement, pour notre fameuse fête de départ, j'ai décidé que nous devions tous être aux couleurs un petit peu bûcheron canadien. En espérant qu'il ne fera pas 50 degrés ce jour-là, sinon ça va pas finir sur nos épaules, hein, ça va rester après dans le placard. Mais bon, j'ai craqué du coup sur des chemises un peu bûcherons, vous savez, ce style-là. Alors je me suis dit que s'il faisait chaud, j'allais mettre un t-shirt blanc en dessous et ça par-dessus, un peu design. Donc j'en ai pris une pour mon mari et deux pour moi, parce que je savais pas trop, j'avais pas trop d'idées au niveau du choix. Là j'ai pris une version fermée, vous voyez, s'il fait froid et tout, on ne sait jamais parce que ce mois de juin est particulier. Je mettrai cette version-là, évidemment un peu resserrée à la taille, vous voyez, je ferai un petit effet. Mais une chemise bûcheron tout simplement, histoire d'être accordée, moi, mon chéri, les enfants, ma fille, voilà, tout le monde sera dans le même ton. Elle est extrêmement grande, c'est 2XL, mais ouais, elle est extrêmement grande, faut que je vois comment je vais l'accorder. De toute façon, je vous inclurai des vidéos au fur et à mesure des essayages, comme ça je vous rajouterai une petite vidéo. Mais en tout cas, voilà l'idée, elle est plutôt de quali, elle est très en mode mood, vous savez, cocooning, donc je pense que ça le fera. J'en ai pris une deuxième, mais version cette fois-ci manche courte si je ne me trompe pas. Et alors ça n'a pas du tout la même qualité, vous voyez, c'est vraiment là, comment dire, ah bah oui c'est manche courte, c'est ça. C'est vraiment une matière plus fine, du coup plus estivale et moins cocooning. Donc un peu à repasser, vous voyez, style chemise en coton quoi, mais je crois pas que ce soit du coton. Là c'est vraiment manche courte courte, hein, c'est-à-dire que ça arrive vraiment ici. Mais je me suis dit que ça ferait un style aussi, resserrer un petit peu la taille, ou je verrai, avec une ceinture, quelque chose comme ça, à voir. Mais voilà, j'ai pris cette version-là, toujours en 2XL. Et pour chéri, j'ai pris la même que l'autre, hein, en version cocoon, cocooning. Et c'est une taille M, je crois que j'ai pris. Ça m'a l'air, ouais, ça m'a l'air un peu large quand même. Je pense qu'il la portera ouverte, à voir. J'espère qu'on aura une bonne dégaine, parce que l'idée est là, mais est-ce que la dégaine finale sera là? Ça se trouve, on ressemblera à rien. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir le résultat, parce que je pense que je mettrai une petite photo, quelque chose comme ça. Voilà, l'idée là, c'est pas extrêmement cintré comme petite chemise, mais bon voilà, ça nous resservira, je pense, au Canada, cet hiver, on la remettra de temps en temps, ça resservira. Dans la sélection aussi, donc après vous verrez pour mes enfants, là je suis pour moi ou pour mon mari avec un truc, mais après c'est pour moi. Je me suis pris une robe en jean, je sais pas, j'avais envie, je sais pas, ça me donnait envie, quand j'ai vu la photo et tout, ça me donnait envie d'avoir une robe en jean là pour les beaux jours, qui était assez long quand même, je voulais quelque chose d'assez long qui arrivait au moins aux genoux. Donc elle a l'air plutôt pas mal, plutôt quali, chaude quand même, hein, mettez pas ça quand il fait 40 degrés, je pense que vous allez mourir de chaud. Resserrer un petit peu en dessous des seins là, de la poitrine, des poches au niveau de la poitrine, et après ça c'est légèrement évasé un petit peu après. À voir sur moi, écoutez, dans l'idée, après elle m'a l'air hyper large, mais soit c'est moi, ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur Shein, pourtant 2XL ça va, soit j'ai l'impression d'avoir maigri et en fait c'est pas le cas, mais elle m'a l'air super large. À voir, sinon j'agrémenterai d'une petite ceinture noire, ça peut faire un petit style, pourquoi pas. Et j'ai pris deux hauts blancs parce que en ce moment j'adore mettre des jeans grain de malice qui soient soit clairs soit noirs, et du coup des petits hauts blancs un peu sympa avec une petite veste cintrée, c'est mon mood du moment. J'ai pris ce petit haut blanc smile et c'est trop mignon, c'est en version un peu mood brodé, enfin un style brodé, c'est trop canon. Donc pareil, m'a l'air super large, mais bon, c'est peut-être qu'une impression. Col en V et écoutez, la matière elle est plutôt canon, c'est Shein Frenchie. La matière elle est très 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 sympa, donc rien à dire, il m'a l'air super.
Et le dernier que j'ai pris en version pareil blanc avec des petits logos dessus, c'est celui-ci. Voilà, avec une veste cintrée. De toute façon, je vous montrerai tout dans la vidéo, mais je le trouvais très sympa. C'était fait un peu léopard. D'ailleurs, la cali, encore une fois, est très bien. D'habitude, il y a des hauts des fois que j'achète et ils sont pas d'une quali super. Mais là, j'aime bien. Et puis, à chaque fois, j'ai pris 2XL. La matière sera très agréable pour les beaux jours. Donc, c'est très, très bien pour cette commande. On continue avec deux derniers articles que j'ai commandés, pareil, avec la collaboration de Shein. J'ai pris deux maillots de bain, si je ne me trompe pas, parce que j'ai plus trop de maillots de bain. Ça fait très longtemps que j'en ai acheté sur Shein. Voilà, je sais plus trop ce que j'ai. Donc là, j'avais envie d'en reprendre deux. J'ai pris celui-ci, qui a des petites bretelles comme ça, qui est assez rembourré au niveau des seins. Est-ce que ça s'enlève? Oui, ça s'enlève le rembourrage, donc ça c'est cool. Et un peu, vous voyez que festifé jupette sur le ventre. Je trouvais trop sympa, il a un petit effet, je sais pas si vous verrez, brodé. Enfin, un peu frisottis, je sais pas du tout, avec des petites fleurs. Est-ce qu'on voit quelque chose? De toute façon, si vraiment on voit rien, je vous mettrai une photo du site internet, on verra peut-être mieux. Et c'était avec une culotte haute. Donc voilà, ma foi, c'est très bien. La matière est pareille, vous savez, c'est cette espèce de matière de tissu qui est tout avec des vaguettes, là, des vaguelettes. Je sais pas comment on dit, mais en tout cas... La cali est là et pareil, j'ai pris 2XL, j'ai été simple. Et le deuxième maillot de bain qui a vraiment une matière de maillot de bain traditionnel hein, qu'on connaît, eh bien il est trop joli, il est un petit peu cintré au niveau des seins, une petite touche de doré comme ça. Pareil, évasé au niveau du bidon et j'ai pris en version short. Je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que ça fera sympa, est-ce que ça fera pas sympa? J'ai pas forcément honte de mes cuisses et tout, mais bon je me suis dit pour tester cette version short, pourquoi pas. Si vous avez j'ai aussi des varices et tout ça que j'en ai plus, je me suis fait opérer, mais je dois pas du tout exposer mes jambes. Donc voilà, version short, pourquoi pas, et après je remets un pantalon par-dessus pour pas exposer mes jambes. Bon, si vous entendez mes enfants jouer en bas avec leur voiture télécommandée, tout va bien. La commande perso, cette fois-ci, avec mes petits sous-sous, j'ai pris des chaussures à talons pour ma fille, parce qu'elle marcelle pour avoir des chaussures à talons, mais c'est vraiment pour les soirées, Noël, voilà, ça sera pour... entre guillemets les occasions spéciales, elle va pas mettre ça pour aller à l'école ou hein. Mais j'ai pris celle-ci, elle fait du 36 maintenant ma fille, elle a des grands pieds. Donc voilà, des tout petits talons comme ça, mais obsession talons, elle aime bien que ça fasse du bruit tout ça. Et elle n'a que 9 ans, oui je sais, mais j'ai trouvé quand même canon. Et je vous ai dit c'est que pour les occasions, je pense qu'elle la mettra pour notre fête de départ, histoire d'être toute mignonne. On continue justement pour notre fête de départ, je vous avais dit tout à l'heure que moi j'ai pris des hauts pour nous les adultes. Donc là, j'ai acheté, donc avec ma petite carte bleue, ce n'est plus en collaboration avec Shein, j'ai acheté un ensemble pour ma fille avec le petit t-shirt noir et la petite jupe dans les mêmes tons pour qu'elle soit accordée à nous mais qu'elle n'ait pas juste la chemise. Donc elle, c'est en version jupette comme ça, c'est un peu grand, j'ai été un peu trop... J'ai vu les choses un peu trop grand, donc il va falloir que je passe un petit coup au sèche-linge pour adresser tout ça. Je sais pas pourquoi. J'ai merdouillé dans la taille, mais c'est pas grave. Pour mon plus petit, j'ai pris une petite chemise, comme je vous ai dit, à carreaux évidemment et à manches courtes. Donc là, ça va être trop trop mignon. Avec un t-shirt blanc ouvert, ça va être parfait. Donc là, la taille, elle me paraît top. Et pour mon moyen, je l'ai pris en taille 10 ans. La même, c'est exactement la même, avec des manches courtes, la petite poche, l'effet tartan comme ça que j'adore. Donc c'est parfait, on sera tous assortis le jour de notre fête de départ. Ma fille m'a harcelée parce qu'elle voulait aussi un pyjama comme le mien. Et je vous avoue qu'ici, j'ai pas trouvé. Chez qui habite tout ça, j'ai pas trouvé, donc j'ai commandé sur Shein. Vous savez, ces petits pyjamas là qui sont en mode satin, tout mignon, avec l'ensemble, le haut et le bas. Et ben voilà, voilà ma fille, elle l'a, elle est trop contente. Donc j'ai plus qu'à lui laver et on va pouvoir avoir le même pyjama assorti. Donc un peu effet satin, ouais, et des petits effets blancs là comme ça, des petites lignes blanches à certains endroits. Et la qualité est parfaite. Au niveau de ma commande personnelle, je me suis pris ça. D'ailleurs, il est très très quali. Je pensais pas qu'il serait aussi quali. J'avais utilisé un code promo en plus pour ma commande, donc j'ai pas payé très cher. Et ça permet, c'est une sorte d'accroche comme ça pour mettre les lunettes. Vous ouvrez et vous pouvez mettre jusqu'à 5 paires de lunettes. Et je me suis dit que dans la valise, toutes nos paires de lunettes, si on les met pas et tout ça, au lieu d'avoir 50 boîtes à lunettes, ça serait quand même pratique. D'ailleurs, j'hésite, j'aurais dû peut-être en prendre deux. Une pour les lunettes de vue, une pour les lunettes de soleil, pour pouvoir les stocker dans la valise et que ça soit pas abîmé. Et pouvoir les emmener tranquillement au Canada. En tout cas, le concept est canon. Il existe aussi en version, je crois, pour 3 paires. Donc à vous de voir, mais très très quali.
Vraiment, je suis étonnée. J'avais regardé sur Amazon, c'était hors de prix. J'ai craqué aussi pour un éventail. Bon, je vous avoue qu'il sent pas bon. Vraiment pas bon. Vraiment une odeur particulière. Mais bon, sinon en soi, il est très pratique. Il coûtait vraiment rien. À glisser dans le sac à main, c'est toujours pratique pendant les beaux jours qui arrivent si on n'a pas, si on a vraiment très chaud. Et moi aussi, pour faire sécher le matin ma brume, j'aime bien utiliser ça. Donc j'en ai pris un. Pour notre voyage, j'ai pris un petit pilulier. Bon, je vous avoue que je voyais un peu plus gros. J'ai pas dû vérifier les tailles correctement, mais c'est pas grave. Pour mettre les doliprane, les choses comme ça, ça va être quand même pratique. Donc vous mettez vos petits piluliers. J'ai vu ça sur la chaîne de Lou, qui est partie aussi au Canada. Elle fait des fois des vidéos un petit peu comme ça, pratiques. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Et les deux derniers, enfin ces deux articles là que je vais vous présenter, ça vient de sa chaîne, je les ai vus. Elle les a achetés sur Amazon, mais beaucoup plus cher. Donc là, c'est voilà, un pilulier avec quand même pas mal de compartiments. Donc pour mettre Doliprane, etc. à mettre dans le sac à main, c'est aussi pratique pour partir au Canada. Et ça, c'était vraiment sympa. Elle a présenté ça dans sa vidéo. Je me suis dit, ah, c'est plutôt cool. Sur Amazon, c'était 20 euros presque, entre 13 et 20 euros. C'est une sorte de porte-passeport. Un peu un portefeuille, mais moi je vais l'utiliser en porte-passeport. Et donc, il se présente comme ça. Ici, vous pouvez mettre vos billets d'embarquement. Ici, oula, il y a la anse qui s'en va. Donc vous avez une anse pour l'accrocher à votre main, pour avoir toujours vos passeports avec vous. Ici, vous avez des petites poches pour mettre bah, les passeports. Donc il y a 4 poches, donc 4 passeports. Et ici, vous pouvez en rajouter, je pense... Ah non, je pensais qu'on pourrait en mettre 5. Bon, on va se débrouiller pour en mettre 5, parce que nous, on est 5 quand même. Vous avez une poche sur le côté ici, des petites poches ici, des endroits pour mettre vos cartes bleues, etc. Bon, moi, je ne mettrai pas les cartes tout, mais je trouvais... Canon pour. J'étais en train de réfléchir, je suis en train de bugger, mais où est-ce que ça s'accroche ça? A few moments later. Ah oui, ça s'accroche peut-être plus à ça, la languette là. Ouais. Et vous avez même une accroche à l'intérieur, donc si vous avez des clés à suspendre ou quoi, ça peut être pas mal. En tout cas, je voulais réunir tous les papiers liés au passeport, etc. Dans cette encoche là, je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal. Alors dites-moi ce que ça veut dire ce truc là, parce que là, vraiment, je ne sais pas. En tout cas, la Cali est là, encore une fois. Vous avez aussi une pochette zippée derrière. Donc pour ranger des petites choses aussi, c'est très pratique. Et le format est très bien pour mettre tout ce qui est papier important le jour J. Et j'ai pris cette pochette-là. Je l'ai vue, j'en ai acheté chez Action. C'était 8 euros. Celle-ci, elle était à 4 euros. Mais je comprends pourquoi elle est moins chère. Parce qu'en fait, elle est moins rigide que celle d'Action. Mais c'est pas mal. Et il n'y a pas de... Celle d'Action, vous avez une... comment ça s'appelle ? Une petite anse pour la transporter, là il n'y a pas. Mais c'est une sorte de petite... Ah bah si, elle est la anse. Bon, je dis des bêtises. En tout cas, elle est un peu moins rigide et solide que celle d'Action, mais ça fera aussi l'affaire. J'ai pris ça pour ranger tout ce qui était câbles, casque, etc. Le jour du départ aussi, tous les câbles de chargement, etc. Voilà, c'est très pratique pour ranger tous les câbles ici. Ici, vous pouvez mettre les casques. Donc, je pense que ça va être vraiment pour ça. Câbles de chargement et les casques pour écouter dans l'avion. Comme ça, tout sera rangé là-dedans et j'aurai juste à le prendre au moment de l'avion. Donc, voilà. Ça valait le coup. C'était quand même 4 euros, mais avec une petite réduction. Ça revenait à 3 euros quelque chose. Donc c'était pas cher du tout et ça va être très pratique pour notre voyage. Voilà pour mes craquages et ma collaboration avec Shein. Est-ce que j'aurai d'autres collaborations? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai d'autres achats Shein? Je ne sais pas. Je vous avoue que parfois c'est quand même pratique Shein pour des petits trucs. Et je commande peut-être 2 fois par an, 3 fois par an, grand max. Voilà, cette fois pour le Canada, j'avais besoin de quelques petites choses. Et ben ça me rend bien service, ça m'évite de courir partout. Vous me direz ce que vous pensez de ce que j'ai pris, si vous trouvez que c'est pratique. Si vous avez des conseils pour moi de choses à embarquer au Canada, absolument très pratique et tout, des conseils d'organisation, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, dès maintenant, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se rejoint sur Instagram et dans les commentaires pour papoter. Allez, je vous fais des gros bisous, salut.